Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes samedi 20 avril 2024. C'est parti pour une vidéo au Sable d'Olonne. Donc c'est la dernière vidéo que je fais ici puisque c'est mon dernier jour de vacances. C'est parti. Tiens, elle est sympa cette composition de cactus. Elle est à 13 euros en bois avec aussi l'arceau là en bois. Mercredi, c'était la semaine italienne et j'ai oublié de vous montrer un des produits que j'attends quand il y a la semaine italienne, c'est cette purée de tomates à 1,29€. Alors attention, il y a plusieurs sortes. Il y a celle-ci avec les pommes de terre. Non, il n'y a pas de pommes de terre dedans. La tomate rustique. Il y en a une... hop, elle est là. Au basilic. Et il y en a une autre avec des gros morceaux de tomates. Tomates chucky. 1,29€, il y a 720 ml, elle est vraiment très bonne. Les sauces tomates chez Lidl, hein, il y en a pas mal, hein, il y a plusieurs modèles et tout. Mais les deux que moi j'aime bien, c'est, enfin il y en a trois même. Il y a celle de la semaine italienne, quant aussi il y a la sauce tomate espagnole avec les petits oignons, elle est aussi très très bonne. Et ils ont aussi la sauce tomate cuisinée en rayon tout au long de l'année qui est pas mal. Pur jus de pomme, les 2 litres pour 1,76€, ça vous fait 89 centimes le litre, ça revient moins cher que d'acheter des bouteilles de 1 litre. Après c'est toujours pareil, hein. Si on est tout seul à boire du jus de pomme et qu'on en boit un verre tous les 2-3 jours, il vaut mieux prendre des petites quantités. Mais ça c'est pas mal quand on en voit au quotidien et qu'on a plusieurs personnes dans le foyer qui en prennent. Je vous ai pas montré aussi les petits pains. Petits pains, il y a goût pizza, tomate, olive et il y a aussi olive et il y a romarin. Miel de fleurs, les apiculteurs associés, il y a 1 kg pour 4,99€. Alors le miel peut cristalliser naturellement dans le temps pour qu'il retrouve sa fluidité, réchauffez-le au bain-marie. Alors il y a plusieurs origines, plusieurs pays différents, 4,99€ le kilo. Après, sinon on a le petit coffret là de Grand Cru Miel de France, miel récolté en France avec la petite cuillère en bois, 8,49€. Il y a le miel de châtaignier, miel de lavande et miel d'acacia de Bourgogne, Provence et Aveyron. Tiens, j'ai pas vu qu'ils avaient du Red Bull. Vous avez vu, j'ai les dit avec l'accent. Il y a le vert goût fruit du dragon. Le blanc, c'est goût cocoacé. Il y a goût abricot fraise et goût pastèque. Alors attention, c'est des boissons énergisantes, hein, donc à ne pas laisser... dans les mains des enfants et puis regardez aussi si vous pouvez en consommer ou pas. Alors c'est 1,19€ la canette et 59 centimes la deuxième. Le thon à l'huile, il y en a plusieurs, ça c'est pas mal hein, quand on fait des petites salades composées ou tout simplement avec du bon pain bien frais. Thon à l'huile 6,29€, il y en a 7 ans. Alors il y a les mascaras The Rocket. Alors il me semble qu'avec l'application Lidl Plus, il y a une réduction sur ces mascaras là. Sinon, ils sont pour les Rocket, ils sont à 3,49€ et Go Extreme 5,24€. Et on a aussi le Tattoo Liner. Je l'ai testé, je l'avais acheté l'année dernière ici d'ailleurs de la marque Maybelline et c'est pas mal parce que ça tient vraiment bien. La brume parfumée pour les corps et cheveux, il y a noix de coco, jasmin et framboise et fleurs d'oranger vanille. 1,99€. Alors on n'hésite pas à regarder dans ces bacs. Alors des fois c'est des bacs et des cartons orange et écrit offre spéciale. Des fois il y a juste voilà, le petit panneau là, 30% moins cher. On regarde, c'est pas que des soucis avec les dates. Hein. Des fois je pense que c'est des choses qui leur restent en stock. Peut-être une ou deux pièces. Là on a la gamme argan et coco. 3€ le masque. On a ça, on a celui-là. Kératine. On a les soins là, donc moins 30%, 6,99€. On a celui à la coco, vous voyez, n'hésitez pas à fouiller. Alors, en ce moment, arrivage ciblé sur le jardinage évidemment. On a les tondeuses à gazon électrique, on a eu aussi une tondeuse sans fil. Alors celle-ci, elle est à 49,99€. Tronçonneuse à essence, 69,99€. Il leur reste encore l'enrouleur à 59,99€.
côté glace, parce qu'on en a acheté cette semaine des glaces. Moi j'aime bien les mini, comme ça même les enfants, voilà, c'est pas un trop gros bâtonnet, et puis ça permet aussi de limiter le sucré. Alors les mini mix, là les amandes sont à 3,49 et en fait moi j'ai pris ceux-là parce que c'est un mélange. Alors c'est difficile quand il y a plusieurs enfants parce que ils veulent toujours tous le même, mais du coup on arrive quand même à dire bah non, bah toi tu auras le blanc, toi noisette, et ils arrivent quand même à s'arranger entre eux. Mais je me suis rendu compte que les mélangés étaient moins chers que ceux-là. Là les 12 sont à 2,29 €. Il y a 4 de chaque, 4 amandes, 4 blancs, 4 noirs et 4 classiques. Alors il y a une offre sur les glaces Côte d'Or. Donc c'est 3,99 € le premier paquet, le deuxième 1,99 €, ça fait les deux à 5,98 €. Il y en a 4 dans chaque paquet, c'est chocolat et noisette avec à l'intérieur une glace vanille. Il y a Milka aussi. Alors par contre Milka, j'ai jamais goûté. On a le premier à 3,99 €, le deuxième à 1,99 €. C'est toujours à l'intérieur de la vanille et des éclats de chocolat, donc Milka. Regardez sur quoi je suis tombée, on arrive même à trouver ce genre de produit à moins 30%. Pas de souci de date, hein, mai 2025, 1,77 €. Après, tout ce que je vous montre dans ma vidéo, dans les 30%, ça ne concerne que ce magasin. Dans votre magasin, vous pouvez avoir tout plein d'autres choses. Vraiment, c'est pour vous inciter à regarder dans les moins 30%. On a plein d'autres choses, on a les chocolats là, à moins 30%. On a pas mal de... Voilà, ça à 2 €. 2 €, des infusions. On a aussi voilà, les petites coccinelles au lait là. Elle est côté fruits, légumes. Les petites salades, je sais pas pourquoi j'ai envie de salade. Petits oignons dans la salade. Alors les oignons, hein, il y a les oignons jaunes, rouges, jaunes, rouges, il y a l'échalote, il y a les oignons. Je trouve que chacun se marie plus ou moins avec quelque chose. Moi les oignons blancs, c'est en salade ou comme ça avec de la tomate. Hein. Ou c'est bien aussi en les feuilles, on les garde pour faire une petite omelette, hein, pour mettre dans l'omelette. 1,29 €. Ou bien on peut les manger comme ça. Hein. Après dans la salade, ce qui est pas mal aussi, c'est les oignons rouges parce qu'ils sont un peu plus sucrés que les oignons jaunes. Tiens, il y a aussi des oignons roses. Voilà, les oignons rouges origine France, 1,99 € pour ceux-là. On a les échalotes aussi qui se marient très bien en salade, 2,99 € les 500 grammes. On a celle-ci aussi, si vous voulez, les 250 grammes à 69 centimes. Les pommes de terre de consommation, 99 centimes le filet d'un kilo, il revient. Il y a quelques temps, on avait hein, des filets comme ça, 99 centimes. C'est des pommes de terre. Moi, parfois, j'en fais aussi des frites. Après, ça dépend de la taille de la pomme de terre. Mais je vous parlais de salade tout à l'heure. Pourquoi pas une petite salade pommes de terre, un petit peu d'oignon et du thon. Le fenouil, 1,99 € le kilo. Alors, fenouil, pareil, hein, dans une salade, ça apporte un petit côté anisé frais qui est plutôt pas mal. Moi, le fenouil, je le mélange avec du concombre, de la tomate et un peu de menthe. Les tomates anciennes, elles sont pas mal celles-là. 4,49 € le kilo. Alors, j'espère que cette année, ils vont nous remettre le petit carton là avec les tomates de différentes couleurs. Pour goûter un peu de tout. Alors j'ai goûté, je crois que c'est celle-ci, les tomates allongées, il n'y a pas longtemps, elles étaient vraiment très bonnes. 1,99 €. On a le filet de tomates rondes comme ça, à 2,99 €. Alors celle-ci, origine Maroc et origine France. Vous me demandez souvent de vous donner les origines. C'est pas que je vais pas vous les donner, hein. Moi ça ne change rien à ma vidéo. C'est juste que parfois j'oublie. Ah mais si, je vous ai dit des bêtises, il est là le tomate d'antan, voilà. 3,79 €. Donc il y a plusieurs tomates à l'intérieur. Il y a une verte, celle-ci. D'habitude, il y en a une noire, là, violette. Alors moi, je trouve que chacune a un goût un peu plus prononcé que d'autres. C'est pas mal de goûter. 3,79 €, les 750 grammes origine France. Les asperges vertes, 2,49 €. 1,99 € la deuxième botte. Avec la carte Lidl, hein. Donc n'oubliez pas de présenter votre carte Lidl. Après ce mélange qui est pas mal. Alors vous avez aussi de la salade au rayon, enfin dans les frigos. Hein. Ça c'est de la salade que vous allez trouver au rayon fruits et légumes. On a ce mélange là de jeunes pousses à 1,99 €. On a de la mâche à 99 centimes. On a l'iceberg. On a vraiment pas mal de salades en ce moment. Il y a celle-ci aussi qu'il faut goûter, elle est pas mal. C'est la salade multicolore, 99 centimes. Alors celle-ci...
Il y a la racine avec, et j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'il fallait replanter la racine. Pareil, quand vous voyez ces grands bacs, n'hésitez pas à vous approcher et à regarder. Alors là, c'est des organiseurs de coffres hein, à 2 euros. Je crois que le prix initial, c'était 4,99 si je me trompe pas. Mais après, voilà, vous pouvez avoir tout plein de choses. N'hésitez pas à regarder au fond, parce que des fois, il y a des trucs au fond. La dernière fois, le premier jour, pardon, je vous ai fait une vidéo ici. J'avais terminé par les parfums. Bah, je vais refaire la même chose, sauf que là, ils ont refait le plein. Et il y a toute la gamme. Donc, il y a, hop, il y a ces 4 parfums. Donc, c'est des dupes de grands parfums, hein, de grandes marques. Ils sont à 3,41. Et on a aussi ceux-là à 3,74 pour femmes. Il y a le Lovely, le Rosa, Chaloux, Madame Glamour et le Diamond à 3,74. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.